ça permet déjà de se retrouver avec des collègues dans un environnement différent. Ça permet de découvrir d'autres environnements, d'autres pratiques, d'autres modes de fonctionnement des entreprises. La culture américaine est différente de la culture européenne. Donc, ça permet de prendre du recul par rapport à ses propres habitudes. Il parle encore un peu de patients, mais il parle clairement de clients, de customers. Il considère que la satisfaction de clients est certes d'être guéri, si possible, et d'être bien servi, de recevoir de bonnes explications. Je pense que c'est un des sujets sur lesquels la MACSF pourrait aider les professionnels de santé français à devenir un petit peu meilleurs sur ce point. On a découvert dans le monde de la santé un autre mode de fonctionnement du soin aux États-Unis. On est dans le secteur privé principalement, mais avec une prise en charge du soin qui est de l'assurance jusqu'au soin lui-même, une prise en charge de A à Z quasiment. Là, on a pu découvrir un autre mode de fonctionnement, donc qui veut amener à réfléchir, à se dire que finalement, il y a d'autres modes de fonctionnement possibles que ce qu'on connaît, nous, en France. Et c'est toujours bon à voir. Tout était bien prévu, bien équilibré. Quand on a souhaité quelques évolutions de dernière minute, elles ont été faites avec souplesse. Franchement, bravo. Alors, l'organisation, elle est très bien. C'était un peu préoccupant parce qu'on est parti en période de grève. Donc, on disait que pour vous, tout se passe bien. En fait, tout s'est très bien passé. Le voyage était très agréable. La prise en charge est très efficace. Il y avait un traducteur qui était là aussi pour certaines discussions un peu techniques qui pouvaient nécessiter un accompagnement. Donc, tout était prévu. En fait, les activités professionnelles, paraprofessionnelles, l'hébergement, etc. Donc, très bonne organisation de l'équipe.